Je vous propose maintenant, en attendant, de repartir du côté de l'obélisque où Olivier Mine a rendez-vous avec quelqu'un que nous connaissons bien et dont nous sommes très, très fiers. C'est Zoé. Zoé qui a remporté l'Eurovision Junior il y a quelques semaines à peine. On l'a vu tout à l'heure avec ses petits camarades Angelina, Valentina, Lisandro et Enzo. Elle revient sur la scène de la place de la Concorde avec son tube Cœur qui a conquis toute l'Europe. Zoé, c'est à toi. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante pour toi. Je veux que le monde entier nous voit exister quand je chante, je me lève pour voir le monde. Je m'élève, je rêve, mon cœur s'inonde. Cette rêve, je regarde la montre. Je veux que ça cesse et je le montre. Je regarde mes rêves tout le temps. Je vais y croire, ça me hante. C'est pour ça que je chante. Déploie mes ailes doucement, je le fais pour nous vraiment, chaque fois que je chante. Rejoindre, un grand bravo à toi, d'abord parce que tu as chanté ce soir alors qu'il fait un froid épouvantable sur la place de la Concorde et tu as résisté et tu nous as fait encore une fois une superbe prestation. Et un grand bravo surtout pour cette victoire à l'Eurovision Junior. Et oui, j'étais là, je peux en témoigner, j'annonçais ainsi le 26 novembre au Palais Nicaïa à Nice la victoire de Zoé représentant la France. Ça a dû être un moment très particulier pour toi. Ah ouais, c'était incroyable. Bah, comme t'as pu le voir, j'ai eu les larmes aux yeux, vraiment. Ah oui. C'était vraiment incroyable. Enfin, c'était un moment inoubliable. Encore mille bravo à toi. Merci. Oui, parce que quand je t'ai vu arriver sur scène, j'ai pas pu m'empêcher. On s'est pris dans les bras l'un de l'autre. C'était un moment très fort, ça, pour le coup. Et maintenant, je vous laisse en très bonne compagnie. À vous, les Champs-Élysées. Merci beaucoup Olivier, merci à Zoé, c'était magnifique, quel bonheur de partager cette soirée exceptionnelle avec vous tous.